Yo, Stewart! Tu te caches. Stewart, t'es où? Oh! Putain, Stewart, t'es où? Hein? Stewart? Salut tout le monde, ici Michael, votre présentateur préféré, en compagnie de Stewart. Dis salut Stewart. Voilà. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la série Révélation réalisée par Rubens Guia. Rubens Guia a déjà réalisé de nombreux courts-métrages. Il a réalisé aussi un film qui s'appelle Sang froid. C'est un film dont on a fait la critique, vous verrez là-haut, écrit au-dessus de sa tête. Voilà. Avec le film Sang froid, on avait remarqué que c'était peut-être, il était limité au niveau de la vie réelle, enfin de l'inspiration d'une vie réelle. Il s'est inspiré de la vie réelle, donc plutôt il avait l'air limité. Donc par rapport à ça, on s'est dit, bon, c'est sans doute pour cette raison que 100 fois avait des limites. Maintenant on va voir avec, on a regardé avec les épisodes de Révélation. Alors Révélation, qu'est-ce que ça donne? Les différents courts-métrages ont un scénario différent et j'aime bien ce style. Pourquoi? Eh bien parce que ça me rappelle en fait des séries d'anthologie. Des séries d'anthologie à la Black Mirror, Creepshow ou encore Au-delà du réel. En fait, l'histoire de chaque court-métrage a vocation à effrayer. A vocation à effrayer avec des situations qui seraient possibles dans notre vie de tous les jours en fait. Ce qui questionne constamment l'intellect du spectateur en se mettant continuellement à la place des personnages dont il suit l'histoire. Rappelons en fait que chaque court-métrage, à part peut-être le premier, s'inspire des chapitres du livre des Révélations. Encore appelé l'Apocalypse selon Saint Jean, qui est le dernier livre du Nouveau Testament. Eh bien, si tu es chrétien, tu vois de quoi je parle. Mais sinon, je crois que c'est pas le moment idéal pour te faire un cours sur la Bible. Non? La série est intéressante déjà parce que j'aime déjà les séries qui parlent du paranormal. Il y a un épisode où il y a une meuf qui ne pense qu'à manger, ça m'a fait beaucoup marrer. Déjà, ça va bien avec ce qui va arriver à elle. Humour, horreur, gourmandise, huis clos, et etc. C'est par ailleurs dans cet épisode que chaque détail est minutieusement bien travaillé. Comme par exemple la fameuse phrase d'un personnage qui va signaler à son ami qu'il ne ferme jamais son portillon. Cette phrase va à chaque fois revenir dans le scénario. Et croyez-moi, c'est franchement bien trouvé. Et puis la gourmandise est un très vilain défaut. Bon sang, les femmes, vraiment, elles abusent, hein. Aussi, je dois dire que le chapitre premier est peut-être même mon préféré. Le plus triste et aussi le plus effrayant. Aussi, je devrais aussi noter que le chapitre 2, dans son déroulement, est génial. En fait, ça part d'une situation qui pourrait arriver à n'importe qui, à une situation cauchemardesque à souhait. Et j'aime aussi, bon, je ne sais pas si c'était prévu, mais il y a des moments où on a l'impression que tout est lié. Parce que il y a dans un des épisodes où il y a une personne qui écoute la radio et on dit il y a des morts qui reviennent à la vie. Mais alors que dans l'épisode précédent, on a eu affaire à cette histoire. Donc on s'est dit peut-être que, bon, je me suis dit personnellement, c'est pas pour tout le monde, je me suis dit que c'était lié, que tous les épisodes étaient liés. À un moment, tu vois les démons de croisement, tu vois ensuite une épidémie, et ensuite tu te dis, oh, mais ça aurait été bien quand même, hein, ça a été bien. Ça aurait été mieux qu'il y ait tout le monde lié, en fait. Un scénario qui a du potentiel, mais... J'ai l'impression que Rubens Guia s'inspire seulement du cinéma américain, il imite seulement le cinéma américain, sans mettre un peu... son style à la sauce gabonaise. Premièrement, on connaît déjà le déroulement de l'histoire. Dès le début, tu t'attends, tu sais déjà ce qui va arriver à la fin. Vu que tu en as vu beaucoup de films d'horreur américains et que tu sais qu'il va l'imiter, donc forcément tu t'attends à la même fin. Je parle notamment de Derrière la porte, l'épisode de Derrière la porte qui est prévisible. On savait très bien ce qui allait se passer, il ne pouvait pas aller si loin. Bon, j'ai déjà vu tellement de films comme ça. J'aime pas le fait qu'il coupe le film là où il pouvait aller plus loin en fait. Je voulais savoir exactement jusqu'où il pouvait aller dans son délire. Mais il coupe le film à un moment où tu dis mais c'est pas vrai.
C'est quoi ton truc? C'est vrai, quelque part, ça suscite l'intérêt du du spectateur à la fin, mais quand même, moi ça m'énerve derrière ce genre de truc. J'aime quand on va jusqu'au bout du truc. Et big up, heureusement que tu n'as pas des zombies à l'intérieur parce que tu n'avais pas les droits. Et dernièrement, il veut tellement imiter les Américains encore parce que tout simplement, les personnages ont des réactions qui ne vont pas avec le pays où ils se trouvent. Parce que franchement, une Gabonaise, quand il y a un fantôme qui apparaît, la meuf ne va pas lui mettre, ne va pas la serrer dans les bras sans vous dire exactement dans quel épisode ça se passe. Voilà. Il y a aussi, par exemple, celle qui est possédée. Sérieusement, tout le monde sait que quand on est possédé, on va voir le pasteur ou le nganga, le plus populaire. C'est ce qui est étrange dans cette histoire. Même pas un coup de fil, t'as même pas essayé de gérer le truc, d'essayer de voir des gens, non. C'est direct, je vais crever, la meuf. Waouh! Ouh! C'est un peu ça. Et aussi, les personnages pleurent trop. Je vous assure, allez voir chaque épisode. Dans chaque épisode, un personnage doit pleurer. Je sais pas pourquoi, en fait. Je comprends pas pourquoi. Bien sûr, le scénario du chapitre 2 est magnifique. Mais le seul problème, c'est que le final vient gâcher tout le potentiel qu'il y avait. Le final est décevant. Et pourquoi? Parce que le choix de la fille à la fin n'est pas du tout crédible. Enfin, selon moi. En effet, spoiler bien évidemment, pourquoi elle décide d'ouvrir la porte à son bébé qui, bien évidemment, elle a décidé d'avorter. Contrairement à son ex petite amie dont elle a refusé d'ouvrir la porte, bien évidemment, en stipulant qu'il ne pouvait pas être là. Alors donc, pour elle, c'est son bébé qui aurait pu être là quand même. C'est un peu chaud quand même. Aussi, le chapitre 3 n'est pas très intéressant. Et il est assez tiré par les cheveux. Crois-moi, si tu l'as vu, tu verras la blague. En effet, comment dire? Le comportement du personnage principal est incompréhensible et on finit par ne plus trop y croire. Et enfin, le chapitre 5, selon moi, c'est du déjà vu. Et il n'y a plus grand chose à voir. Et puis, attendez une minute. Je me demande toujours pourquoi l'esprit qu'on invoque a la possibilité d'apparaître comme par magie dans certaines scènes, alors que dans d'autres scènes, il faut qu'on la voie marcher pendant longtemps jusqu'au portail. Oui, je vous assure, dans une scène, elle arrive jusqu'au portail et elle vient gratter à la porte pour que la victime puisse lui ouvrir. C'est chaud quand même. Alors, esprit, est-ce que tu veux qu'on te porte aussi? Ouais. Eh bien, on y va pour les acteurs. Le côté positif, c'est que déjà, il n'y a pas de récitation. C'est ça. C'est bien. J'aime ça. C'est ce que j'ai remarqué chez OSE. Apparemment, ils font très attention, les acteurs font très attention à ça. Le chapitre 1, par ailleurs, j'ai bien aimé. Par exemple, les actrices. Tu as l'impression qu'elles sont même copines depuis le début, dans la vraie vie. Voilà, tu rentres directement dans le truc, en fait. C'est comme si elles étaient copines depuis toujours. Le feeling, en fait, passe bien entre elles. Dans le chapitre 3, par ailleurs, le jeu d'acteur est assez difficile à analyser vu qu'elle n'a aucune interaction, en quelque sorte. Mais elle s'en sort pas mal. Quoi de plus? Surtout le personnage principal qui passe le pacte. On y croit vraiment en sa détresse et à ses pleurs. Et aussi, mention spéciale à celle qui balance le coussin sur le personnage principal. On sent que son talent d'acting devait passer à tout prix par là. Eh bien, comment dire, j'imagine bien qu'elle a tout donné. Certains épisodes auraient pu être cool si les acteurs, si tous les acteurs jouaient bien. Eh bien, comme je l'ai dit plus haut, les scénarios sont ouf, mais le jeu d'acteur vient tout plomber. Comme par exemple dans le chapitre 2, où on a l'impression vraiment que le personnage principal surjoue constamment. Et tu sens en effet qu'elle joue bien, mais ce petit truc fait qu'on passe vraiment à côté de cet épisode. Dans Sang Froid, elle a le... Bon, elle revient encore sur le même rôle, la fille un peu frivole. La fille un peu frivole qui préfère faire la fête au lieu de s'occuper de l'avenir de son couple. Elle aime beaucoup ça, je ne sais pas. Peut-être qu'elle aime ça. Peut-être qu'elle aime beaucoup ce genre de rôle. Et pour moi, l'actrice Eunice Binger, elle a toujours la même façon de jouer. C'est toujours joue. La fille est un peu désespérée, elle joue. La fille est désespérée, c'est ce qu'elle vous fait bien, elle pleure. Mais le problème, c'est qu'elle est toujours dans l'exagération. Elle est toujours dans l'abus. Limite, elle peut jouer. Pour le moment, je pense
qu'elle devrait plus jouer des personnages secondaires, genre la fille en détresse, genre une meuf en détresse vraiment, que le héros doit sauver. C'est juste ça en fait, personnage secondaire. Je ne trouve pas encore qu'elle puisse avoir les épaules pour tout un film, j'en ai l'impression. Peut-être à l'avenir, on verra, à l'avenir. Je souhaite qu'elle s'améliore, à l'avenir, on verra. Eh bien c'est pareil dans le chapitre 5, confinement. C'est pas très très bien joué, on sent l'effort évidemment, mais ça passe pas. Toutefois, la copine du héros s'en sort pas mal dans cet épisode, et c'est bien la seule, ma foi. Au niveau de la réalisation, franchement, Rubens Gia est un monstre. Chapeau. Eh ben, c'est du Rubens Gia, toujours original, toujours aux petits soins, toujours innové, toujours bien filmé, toujours aller plus loin, toujours plus haut, jusqu'au bout de l'extrême limite. Oui, la créature, je sais pas si c'est une créature, en tout cas c'est une femme qui est devant la fenêtre, et après, elle va en marche arrière, alors que même temps, la caméra suit comment la meuf s'éloigne. Et on voit même pas où elle a disparu, on sait même pas où elle est partie, mais tout compte fait, il y a une autre. La caméra revient avec une autre créature, une autre chose, c'est parce que c'est typiquement un style américain. Et chaque fois, un Gabonais avoir remarqué cette technique. Ça apparaît ici en contre-champ, quand il y a. Donc on est là, et il y a aussi, voilà, comme lui, voilà, il y a des apparitions en contre-champ, et ça c'est bien joué, c'est cool. Je dois garder un plan, ce serait le plan où dans le chapitre 1, le personnage principal se rend compte qu'elle a un fantôme chez elle. Ce plan est magnifique et vraiment effrayant, et on aimerait vraiment pas être à sa place, vraiment pas. Vraiment. En effet, même le générique du début a été travaillé avec soin pour attirer les spectateurs et aussi pour qu'ils sachent immédiatement ce qu'ils vont regarder. En tout cas, très très bon générique. Toutefois, je tiens à signaler que niveau audio, on n'entend pas vraiment. Il y a certaines scènes où on n'arrive pas à entendre ce qui se passe. Quand les personnages discutent entre eux, c'est pas audible. Désolé. C'est que tu l'as fait. Moi, il me disait que tu voulais aussi cet enfant comme moi. C'est très bien que je n'ai pas eu. What the fuck? Le son! C'est pas possible! Le son! J'y comprends rien en fait! C'est prévu ou. Enfin. Le son! Il y a des moments où on n'entendait rien. On n'entendait pas ce que les personnages disaient. À un moment, ils sont en train de discuter, notamment dans l'épisode 2. Si vous regardez l'épisode 2, vous auriez du mal à entendre le personnage. Il y a des moments où on ne les entend pas. Quand ils sont éloignés du micro, on sait qu'ils sont éloignés du micro. Sans doute parce qu'ils sont sur le balcon et du coup le micro se trouve devant, se trouve à côté d'une personne. Mais l'autre là-bas, c'est pas évident. Mais quand c'est comme ça, on essaie un peu de s'adapter avec le scénario. On essaie de régler, avoir un style un peu plus différent. Parce que ce style n'est pas adapté au micro. Le maquillage de l'actrice qui pourrit, franchement, n'est pas terrible. Vraiment, non, juste non, j'ai cru voir, je sais pas, des fruits, je sais pas, un truc sur la tête, mais c'était vraiment pas du George Romero. Et même George Romero a utilisé des techniques un peu artisanales, même, on l'appelle comme le créateur des Evil Dead, Sam Raimi, c'était un style plutôt, il essaie de s'adapter avec. Il y a même des youtubeuses qui font des youtubeuses gabonaises, par exemple Prissy Metz, elle a un style en maquillage qui est très. Vous ne connaissez pas Prissy Metz, c'est vrai, c'est dommage, mais elle est très douée comme youtubeuse au niveau maquillage. Tu as vraiment l'impression que c'est la bouche qui est ouverte, ou bien que là elle est déchirée par le front, là. Mais là, franchement, au niveau là, c'était. C'était pas crédible, hein? Pas du tout. Hein? Eh bien, en termes d'effets spéciaux, c'est assez correct. On va pas en demander trop non plus. Niveau budget, c'est ce qu'il y a dans les épisodes, en tout cas. Oui, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. J'étais en train de dire exactement. La musique, ça va. C'est typique des films d'horreur. Ils font juste l'effet. Ils mettent des effets, la musique et tout ça. Mais je ne crois pas qu'ils ont fait comme Sang Froid. Aubertin, celui qui s'est occupé de la musique de Sang Froid, je pense pas qu'il a fait, grand chose. Il n'a pas refait une musique spéciale pour ces épisodes, pour cette série en fait. Je ne crois pas. Bon, en tout cas, on l'a crédité à la fin comme la personne qui s'occupe du son.
C'est sûr qu'il a, c'est lui qui s'est chargé des bruitages et autres, mais c'est pas... Mais une musique m'a particulièrement touché. C'est celle que l'on entend dans le chapitre 3 à partir de la 3e minute et 30 secondes. Enfin, c'est ça, j'espère. Oui, c'est bien ça. Ça m'a fait en effet penser à du Black Mirror et c'est assez envoûtant. Et bien que dire, je donnerai en tout cas une note de 7 sur 10 à l'ensemble de ces courts-métrages. Et toi, Mike, tu donnerais combien? Il a dit qu'il met 5 sur 10. Ouais. Moi, je mets cette note parce que c'est du neuf en quelque sorte. Et on en veut encore plus dans ce genre cinématographique gabonais qui est assez pauvre et dépourvu d'originalité. Allez, comme on le fait souvent et comme Mike le dit souvent, on fait comme ça et on se retrouve pour les prochaines vidéos. Ciao.